Donc nous sommes sur la base aérienne de Mont-de-Marsan, dans le sud de la France, d'où décollent quotidiennement des rafales pour participer aux missions de protection des territoires de l'OTAN au-dessus de la Pologne. Les appareils français participent aux missions de sécurisation de l'espace aérien de l'OTAN en tant que membres de l'OTAN et au profit de la solidarité stratégique entre les membres de l'OTAN et les pays de l'Union européenne, solidarité stratégique qui est chère à la France. C'est important de participer à ces missions puisque la France est membre de l'OTAN et la France est un pays de l'Union européenne impliqué dans la sécurité de tous nos alliés. Nous menons des missions, plusieurs missions par jour au-dessus de l'espace aérien polonais. Ce sont des missions de défense aérienne. Le but est de sécuriser l'espace aérien de l'OTAN et des membres de l'Union européenne. Et ce sont principalement des missions pendant lesquelles nous surveillons, cherchons à identifier des éventuels appareils qui pourraient interférer avec l'espace aérien de l'OTAN. Nous décollons depuis la base de Mont-de-Marsan. Nous retrouvons dans le ciel des appareils ravitailleurs qui vont nous fournir en carburant, qui vont pouvoir nous permettre de rejoindre les zones de patrouille. Ensuite, nous effectuons des créneaux de travail pendant lesquels nous assurons la sécurité de l'espace aérien de la Pologne, en l'occurrence. Puis, nous rentrons en France à l'aide de ces mêmes ravitailleurs, les appareils ravitailleurs qui nous permettent de nous fournir en carburant pendant les vols. Pour nous, c'est une fierté, mais principalement en fait, d'agir avec nos alliés de l'OTAN et au profit de la sécurité de l'Union européenne et au profit de la sécurité des pays de l'OTAN. C'est un honneur et en même temps, c'est presque, je dirais, habituel parce que nous avons l'habitude de nous entraîner ensemble tout au long de l'année, de faire des exercices majeurs ensemble. Nous avons l'habitude de travailler au sein de coalitions avec les appareils de l'OTAN. Donc finalement, c'est juste le résultat de l'entraînement quotidien tout au long de notre année.